Ohayo Minasan, c'est Gensho. Et aujourd'hui, on est de retour sur Fallout 4 pour continuer mes aventures. Donc voilà, c'est parti, allons-y. Alors, suite à la mission dernière que j'ai fait, fait ma mission de d'espionnage et de récupération de données par rapport à... Qu'est-ce qu'un cafard de 5 kilos peut faire à un régulateur de flottabilité? Sans mal. Fais pas le mal. What the fuck? On s'en fout de ton cafard. Ah, ce que je voulais dire, c'est que voilà, je suis dehors là, je suis tranquillou. Suite à la mission que j'ai faite, pour savoir où sont passées la bouffe, donc voilà, ça s'est fait. Donc voilà, je pense que je vais continuer sur cette lancée sur d'autres missions. Ok, donc montrer l'exemple. Ok, donc maintenant je dois faire ça. Je crois que je vais défendre ça, je pense. Problème de pillard. J'ai rien qu'à faire ça quand même. J'ai rien à faire quand même. Donc je remercie Corksar d'avoir fait, on va dire, cette mission. Un peu donner l'idée à peu près où il faut que j'y aille en fait. Donc voilà, ça va être vraiment génial. Utile. Vous avez déballé le cadeau? Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Ok, bon, on va se TP. Je vais me TP où? Bon, là, c'est pour ça, ok, d'accord. Je sais même pas si j'ai regardé, ouais, j'aurais peut-être à déposer des choses chez moi, je pense, et vendre des choses. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses sur moi. Je vais plutôt aller rentrer chez moi. Me vider. Merde, pourquoi je fais ça? Couper sur le chemin, je pense que je vais faire. Ouais, je vais faire ça. Et voilà, on est arrivé. Ok. Ouh là, il y a du monde là. Ok, il veut quoi l'habitant? J'espère que vous êtes là pour nous aider. Bah ouais, je suis là. Bravache. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Des super mutants sont venus il y a quelques jours. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont fait de gros dégâts avant qu'on réussisse à les chasser. C'est un miracle que personne n'ait été tué. Mais j'ai peur qu'ils reviennent. Et plus nombreux cette fois. On a eu du mal à les repousser la première fois. Alors on aurait bien besoin que vous nous aidiez à nous défendre. Ok. Je viens d'arriver dans le coin et je tenais à me présenter. Ouais. On a entendu votre balise radio et on s'est dit que ça valait le coup d'essayer. C'est pas exactement ce qu'on espérait, mais on est prêt à travailler dur pour faire de cet endroit un foyer dont on sera fier. Ok. Vous avez du travail à me confier pour commencer? Non. Pas pour l'instant, merci. D'accord. Prévenez-moi en cas de besoin. Ok. Sous les super mutants là. Comment ça tire? Elle est cassée. Faites le tour, je m'en occupe. Trouvez-les.
What? J'ai besoin d'aide. Tu... Tirez-moi de là. Je vais vomir. C'est pas croyable. On a gagné. Ouais. On n'aura jamais réussi sans vous. On n'oubliera jamais ce que les miliciens ont fait pour nous. Ouais, merci. Oh. Si je veux quand même ramasser ça, je pourrais toujours le vendre. Ouais, je regarde mon bras, ouais, il est joli mon bras. Ok, bah je vais tout droit. Hein. Oh la rabiche, ramène! Ramène-toi la rabiche! Allez, elle est où? Elle est là. C'est tout juste à m'amuser. C'est comme ça qu'on fait par ici, ça. Merde. Je sais plus où il faut passer. Là tout droit. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? J'ouvre le feu! C'est comme ça qu'on fait par ici. Ok. Voilà. Vous venez pour faire du troc, jeune homme ? Ouais, ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez. Armes, munitions. Allez, je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Je m'appelle Dredd. Ouais, tu m'appelles Dredd, ouais. Vous voulez une nouvelle arme ? Des munitions ? Ouais, on va voir. Voyons ce que vous avez. Jetez un œil. Putain, c'est des artilleurs. Excusez-moi. Allez parler à Dress. Bon. Mais tant qu'ils me font pas chier, je leur fais pas chier. Mais s'ils s'attaquent à moi, je suis leur pire ennemi. Du vin. Au boulot. Mais vous y arriveriez les yeux bandés? Oui, on peut essayer. Le mec, c'est... Là, je suis rentré dans la merde de correction.
Allons-y. On s'en prend plein la gueule. Merde, c'était quoi ça? On perd du mot. Ok. Je crois que j'ai déjà attaqué cela, mais ça remonte à loin. Il respawn comme ça, mode de what? Ok. Yo-hoo. Ah ouais, il y a du scotch qui est revenu. Ces canettes, il faut les récupérer, ça donne de l'aluminium. Aluminium, ouais. Hein. Je vais pas faire long feu. Sérieux? Pour un dur à cuire, et putain, il a fou mal. Hein. Et paf là! Au revoir! Dépêche. C'est sombre, c'est quelque chose là-bas. Grâce. Qu'est-ce qu'il fout là? Et tout. Ok. Où y'a personne? Ah si, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font là au loin? Y'a rien que je déteste autant que ces enfoirés de pillards. Si vous tombez sur eux, tuez-en quelques-uns pour moi. Ok. Ouais. Bon, parlons à Preston. On a écrasé le groupe de super mutants. Ils ne sont pas prêts de s'en reprendre une colonie. Tant mieux. Étape par étape, on fera du Commonwealth un endroit sûr pour ceux qui veulent vivre en paix. Comme toujours, il y a un autre feu à éteindre. J'ai une mission un peu différente à vous proposer. Nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur pour une nouvelle colonie. Quand vous aurez fait le ménage, posez une balise radio pour prévenir les gens du coin. On ne tardera pas à voir une ferme se développer pour exploiter les terres. Okay. C'est comme ça qu'on regagnera le Commonwealth. Petit ouais, à petit. Ouais, c'est tout. Hey. Je peux faire quelque chose pour vous? Non. Non, rien. Pas de soucis.
Pour moi, une bonne journée, c'est quand on se couche pas le ventre vide. Hein? Ah bon? Ok, bon, ben, je vais déposer mes affaires vite fait, hein. Le bon vieux temps, j'imagine. Ah, c'est juste un avant. Les récoltes s'annoncent bonnes. Un petit peu de vente. J'ai quelque chose dont vous avez besoin. Oui. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. Excellent. Et voilà, j'ai vendu ce qu'il fallait, j'ai acheté quelques trucs. Faites tout de même attention. Je peux quasiment tout réparer, mais les gens, c'est plus compliqué. Comment je pourrais aborder ça? Ok. Bon, je vais crafter quelques armes et je reviens. Et voilà, j'ai amélioré mon petit fusil à pompe. Et comment dire, ce fusil à pompe, maintenant, il fait plus de 99 dégâts. Donc voilà, on va dire, il envoie du pâté. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Là, je vais juste ranger quelque chose. Non, c'est dans l'en plus, c'est dans l'autre. Ok. Posez ça. Faire un petit somme. Ok, voilà, tac tac, ça c'est fait. Donc c'est parti, je vais réfléchir à l'émission que je vais pouvoir faire. Ah, il faut que je monte de niveau, j'ai compris, on va zapper, monter de niveau. C'est tard, non? Je suis pas très, très furtif, moi. Ok, je sais pas quoi prendre en fait.
demande si ça peut marcher, tiens, ça. Ok, qu'est-ce qu'on va commencer à faire hein? Ben, je vais faire la dispersion, je pense. On va faire ça. Merde. Ça fait des années que j'ai pas mis les pieds à Diamond City. Et visiblement, rien n'a changé. Vous et votre pote mercenaire que je vous vois pas sortir vos flingues. Pigé ? Ah, il est sorti, tu vois. Tu veux faire quoi ? Vas-y, attaque-moi. Vous avez déjà goûté ces nouilles ? Elles sont tombées. Ça va, Ntaka ? Serre-moi loin de tes chimie, machin, tu sais, le truc, là. Allez, je m'en score. Ouais, ouais, tout à fait. Allez, je m'en score. Bien dit, ça. MDR, quoi, sérieux. Vous ne savez pas ce que vous cherchez ? Pas grave, nous avons tout. Nous avons tout. Et n'importe quoi ici. C'est chiqui ça ? Alors, c'était là. Mais là, comme je suis pas avec lui, je sais pas si ça a marché. Hein. J'ai une C-pointe. Voilà. Quelqu'un de méga chirurgie. Ok. Si vous avez faim, vous pouvez manger sur le pouce à Power Noodles. Il suffit de demander au robot. Doc. J'espère que c'est une urgence. Ouais, c'est une urgence. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de cette facture ? Faites-moi voir. Ouais, je reconnais bien l'écriture illisible du docteur Crocker. Earl Sterling faisait partie de ses patients, on dirait. C'est une opération tout à fait classique. Chirurgie esthétique à très faible risque. Mais le docteur Crocker n'a jamais opéré. Il a dit qu'Earl avait disparu avant de verser l'avance. Bon, j'aimerais quand même qu'on parle de vos besoins médicaux. Où est le docteur Crocker ? Je suis docteur. Pas secrétaire. Je suis sûr qu'il va revenir bientôt. Et maintenant, parlons plutôt de vos besoins médicaux. Pas maintenant. Prévenez-moi si ça change. Il y a une grosse traînée de sang qui mène directement au sous-sol de la clinique. Il faut qu'on jette un œil là-dedans. Salut, Doc. Ne traînons pas. Si vous voulez que je vous examine, commençons tout de suite. Il commence à me saouler. Vous pouvez m'expliquer ces traînées de sang qui mènent au sous-sol ? On pratique la chirurgie ici. Vous trouverez forcément un peu de sang par-ci, par-là. Mon associé a dû oublier de nettoyer. Une fois de plus. Bref, revenons à vos besoins médicaux. Putain, mais il a pas envie, hein. Ça ne m'intéresse pas. Très bien. Ça fait du bien de bouger un peu. Je commençais à en avoir marre de Good Neighbor. Ça fait du bien de bouger un peu. Je commençais à en avoir marre de Good Neighbor. Alors ? Qu'est-ce que... Liquidez-les ! Fogel ! Ce mec, ceinture. Oh, j'ai fait de la vie. À mort, Diam City! À mort! À mort! Mon bras est touché!
Hammer Diam, c'était... je sais pas comment je vais faire, hein. Franchement, là, je sais pas du tout comment je vais faire. J'espère que ça va pas me renvoyer très loin. Bah, c'est bon, ça me revoit là. Ok. Vous avez besoin de quelque chose? J'aurais dû peut-être prendre un truc pour être invisible. Attendez, je crois que j'ai peut-être un truc qui pourrait m'aider. Ouais, prendre ça. Doc. J'espère que c'est une urgence. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de cette facture? Faites-moi voir. Ouais, je reconnais bien l'écriture illisible du docteur Crocker. Earl Sterling faisait partie de ses patients, on dirait. C'est une... Bref, revenons à vos besoins médicaux. Où est le docteur Crocker? La dernière fois que je l'ai vu, il était allé chercher quelque chose au sous-sol. Il avait sûrement des aiguilles à nettoyer ou des fournitures médicales à récupérer. Bon, j'aimerais quand même qu'on parle de vos besoins médicaux. Je dois aller au sous-sol, Doc. Vous vous croyez dans les toilettes publiques? Par pitié, ne répondez pas, c'est une question rhétorique. Pourquoi je vous laisserai entrer là-dedans? J'enquête sur une disparition, docteur. Et la piste mène tout droit à votre sous-sol. Une disparition? C'est Earl, c'est ça? Vous ne pensez quand même pas que... Bon, d'accord. Je vais vous prouver que nous n'avons rien à nous reprocher. Tenez, allez voir vous-même. Mais si vous touchez à un seul instrument, je vous envoie la facture. Ok. Il y a quelque chose à cacher, lui, quand même, n'empêche, hein, les amis, quand même, hein. Oh, Earl. Tu m'as vraiment donné du fil à retordre, tu sais. Mais je crois qu'on a terminé. Notre petite erreur sera bientôt corrigée. Oh, pas bien, pas bien. Cet endroit est interdit au public. Mais ce n'est pas grave, je peux arranger ça. Je peux tout arranger. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez fait à Earl Sterling, docteur? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. C'est Earl. C'est lui qui refusait d'être heureux. Les bons patients repartent avec un beau visage tout neuf. Les mauvais patients saignent partout sur le sol et gâchent la vie des gentils chirurgiens. Vous avez tué un homme, docteur. C'est un crime, et vous devez payer. Posez votre arme et suivez-moi sans faire d'histoire. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait, hein. J'ai tué un homme. Oh mon Dieu! Regardez tout ce sang! Je suis couvert de sang! Je peux tout arranger! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le docteur Crocker? Je crois que vous me devez des explications. Que s'est-il passé ici? Le docteur Crocker a tué Earl Sterling. Je l'ai découvert et il s'est donné la mort. Il n'a pas supporté le poids de la culpabilité. Le docteur Crocker a tué Earl? La reconstruction faciale? Il avait bel et bien pratiqué l'opération, finalement. Ça explique beaucoup de choses. Oh, c'est horrible. Je savais que le docteur Crocker tenait à sa réputation, mais... ça dépasse l'entendement. C'est notre faute ou c'est pas notre faute? Bah, je suis un enfoiré. C'est de votre faute, docteur. Vous auriez pu empêcher ça. Vous avez raison. J'aurais dû savoir que le docteur Crocker n'était plus en mesure de pratiquer la médecine. J'aurais dû me douter qu'il avait tué Earl. Je vous en prie, partez d'ici. Je vais envoyer un rapport à la sécurité et nettoyer toute trace de ce carnage. Ok. Vous trouvez quelque chose d'utile? Ouais, ouais. J'espère que le cercueil restera fermé pour les funérailles. Ah, dommage, je peux pas ramasser ça. Ok.
Bon, que ben voilà. Ce mystère résolu. C'était vraiment un perdant jusqu'au bout. Impossible de revenir en arrière. Ce qu'il a fait est trop grave. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la seule loi qui compte. S'il faut encore que je descende des escaliers, je sens... Ouais. Je sens que tu t'es venu en rentrant ça, je crois. À tous les coups. Est-ce que vous avez retrouvé Earl Sterling? Découpe un petit morceau. Pourquoi je devais retrouver Earl Sterling déjà? Pour donner des nouvelles de leur ami aux employés de l'auberge de l'abri, par exemple. Sans oublier la prime en capsule sonnante et trébuchante. Earl n'est pas allé bien loin, en fait. Il aurait eu du mal, après avoir été découpé par le docteur Crocker. Crocker a tué Earl? Ça faisait si longtemps qu'on était sans nouvelles. Je pensais plutôt à un coup des pillards ou de l'Institut. Mais Crocker? J'espère que ce boucher est en train de pourrir dans une cellule. Crocker s'est suicidé. Le poids de la culpabilité était trop lourd à porter. C'est horrible. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû vivre ça. Tenez, c'est pour vous. Vous l'avez bien mérité, on dirait. Je vais annoncer la nouvelle à l'auberge de l'abri. Ça va leur faire un choc. Merci, on va pouvoir refermer définitivement ce dossier. Excellent. What? What? D'où est sort ce machin? Ok, vous trouvez un numéro de magazine Robofun, Robo... Enfin, Roboc... Robocop? Ouais, j'arrive pas à dire. Robco, voilà. Robco, ouais. Fun incluant un jeu de Z1 Verdeur. Ok. Chouette. C'est fantastique. Ok. Bon, ben, je vais vous laisser ici, on va dire, sur cette mission. Donc, je vous dis à plus tard. C'était Gunshow. Bye bye!